sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir de voir enfin ma tête sur YouTube. Ça m'a été tellement demandé et pour des raisons X et Y, j'ai pas forcément pu faire ça plus tôt sur ma chaîne. Comme vous allez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des raisons de mon absence sur YouTube et je vais aussi vous donner deux trois petites choses que je compte faire, voilà, deux trois petits projets que j'ai déjà pour ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous accueille dans mon nouveau petit studio, c'est mon nouveau lieu de travail. Et ça expliquera justement beaucoup de choses par rapport à tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo. Donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire parce que voilà, j'aimerais en faire de plus en plus des vidéos comme ça où je vais vous parler face caméra. Étant donné que de cette façon-là, ben, je peux vous donner des conseils, je peux vous parler de plein de choses. Voilà, plein de sujets que je peux pas forcément aborder dans mes vidéos tuto. Déjà que j'adore parler et vous expliquer plein de trucs, mais si je fais ça dans mes vidéos tuto, ben elles vont durer 3 heures et on m'a déjà reproché qu'elles sont déjà passablement longues. Donc je vais garder tout ça pour d'autres vidéos plus ciblées sur des conseils, etc. En attendant, passons tout de suite au sujet principal de la vidéo qui est donc les raisons de mon absence sur YouTube. Alors, il faut savoir que j'ai pas décidé de quitter YouTube, d'arrêter de faire des vidéos. C'est pas que je me suis dit bon en fait c'est bon maintenant j'en ai marre, j'ai plus envie de faire des vidéos, etc. Ça me gave, non pas du tout. Ça a été des raisons qui étaient vraiment totalement, enfin c'était pas du tout volontaire. J'ai adoré faire des vidéos à chaque fois que j'en faisais. Certes ça me prenait du temps et j'en publiais peut-être une tous les 2-3 mois, voire 4-5 mois c'est vrai. Mais parce que je voulais vraiment prendre le temps de faire, vraiment de vous montrer un contenu intéressant et prendre le temps de faire un bon montage, surtout que j'ai pas non plus des grandes compétences en termes de photos, vidéos, montage, etc. Donc j'ai essayé de faire avec les moyens du bord pour vous fournir vraiment des vidéos de qualité. Si déjà mon travail peut être bien, bah j'aimerais bien que ça soit filmé avec une bonne lumière, avec un bon micro, de la bonne musique, etc. À partir de la dernière vidéo que j'ai publiée, donc qui était mon baby boomer, j'ai dû un peu ralentir mon rythme, mais c'est voilà, c'était pas voulu parce qu'en fait j'ai commencé à travailler dans un salon de coiffure. Donc j'ai toujours été indépendante à mon compte, donc je suis bien prothésiste ongulaire. Pour les personnes qui me suivent pas depuis longtemps, je suis prothésiste ongulaire et voilà, j'étais indépendante et je travaillais dans un salon de coiffure. Comment dire, cette façon de travailler, c'est plutôt pas mal pour les indépendantes comme moi, étant donné que ça nous permet déjà de payer un loyer moins cher, parce que prendre une arcade ou un vrai local tout à nous, bah, ça coûte extrêmement cher. Donc ça c'est un bon compromis on va dire pour payer un petit peu moins. En plus, en étant dans un salon de coiffure, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens qui vont, qui viennent, qui reviennent. Moi j'étais en plus en vitrine, donc les gens me voyaient déjà, on était sur une rue assez commerciale, il y avait beaucoup de passages, donc on pouvait me voir en fait, même si on ne me connaissait pas, on me voyait. Je me suis fait pas mal de clientèle de cette façon là aussi, donc c'est un peu un avantage autant pour les salons de coiffure que pour moi. Sauf que malheureusement par rapport à ma chaîne YouTube, ça n'a pas été facile parce que ça m'a déjà compliqué la vie. Déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu compliqué pour moi de trouver du temps pour filmer, pour être sûre d'avoir toutes les conditions nécessaires à ce que ce soit une belle vidéo bien comme il faut, parce que je filmais chez moi. Mais voilà, là je suis dans un salon de coiffure, donc même si je suis indépendante, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres facteurs. La dernière vidéo, donc le baby boomer, je l'ai filmée en étant au salon de coiffure et ça a été un vrai calvaire. J'ai pris aucun plaisir à tourner cette vidéo parce que du coup j'ai dû me bloquer une demi-journée entière, donc je vous parle de 5-6 heures, peut-être pas 6 mais en tout cas bien 5 heures pour pouvoir tourner la vidéo, alors que ce que je vous montre dans la vidéo, je peux le réaliser en temps normal sur clientèle en 1h30. Voilà, en 1h30 je peux faire ça, mais là ça m'a pris près de 5 heures parce que je devais filmer en même temps. Et qu'on pouvait m'appeler à n'importe quel moment, il y a le téléphone qui sonne, il y a la cliente qui rentre, il faut accueillir, il faut faire un café, j'ai besoin d'aller aux toilettes, on a envie de manger au bout d'un moment, après toutes ces heures, ça dérange un petit peu les personnes qui sont autour, donc c'était déjà un peu compliqué de filmer tout ça, ça prenait énormément de temps. Par conséquent, pendant un après-midi entier, je ne pouvais pas prendre de clientes, je ne pouvais pas travailler, donc mon agenda en pâtissait, parce que du coup j'ai dû faire des heures supplémentaires pour compenser ces 5 heures où j'ai pas pu travailler et donc prendre des clientes. Vous allez me dire, oui mais tu t'as qu'à faire ça tes jours de congé. Ben il se trouve que les jours de congé j'ai plein d'autres choses à faire.
je ne fais pas rien, même les dimanches, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. C'est rare que je sois à la maison, dans mon lit, à regarder des films et des séries. Donc, c'est pas forcément facile. Pas non plus filmer des vidéos à 22h le soir, comprenez-moi, c'est pas forcément facile. Donc, même si j'avais tout ce que je pouvais faire pour faire des vidéos, bah, malheureusement, les circonstances faisaient que c'était déjà assez compliqué comme ça de filmer. Le temps que je m'adapte à ce nouveau rythme aussi au salon de coiffure, malheureusement, l'année dernière, j'ai eu un gros choc. Il s'est passé voilà, quelque chose, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. On a dû m'hospitaliser. Donc j'étais hospitalisée pendant 2 semaines presque. Ça veut dire que voilà, pendant près de 2-3 semaines, j'ai pas pu retourner au travail. Donc toutes les clientes qui devaient venir pendant ces 2 semaines-là, soit elles sont allées ailleurs en attendant que je revienne, soit elles ont attendu, sauf que quand je suis revenue, elles s'étaient cassées tous les ongles, donc au lieu de faire des remplissages, j'ai dû faire des pauses en entier. Donc forcément, ça m'a fait faire beaucoup d'heures supplémentaires aussi à mon retour de l'hôpital. Garder les rendez-vous qui étaient déjà là, plus rajouter ceux que j'avais pas pu prendre pendant mes 2 semaines d'hospitalisation. Donc ça a été aussi difficile de tout replacer et faire des appels et des messages à toutes mes clientes. Et puis bah, j'ai perdu de la clientèle un petit peu forcément parce que beaucoup sont allés voir ailleurs et ils sont restés parce que bah, moi-même en fait je ne savais jamais quand est-ce que j'allais sortir de l'hôpital. Il m'est pas arrivé quelque chose de grave, je vous en parlerai dans une vidéo. On a juste découvert bah, une maladie, une condition que j'ai, que j'aurai toute ma vie, qui ne me rend absolument pas plus mortelle que qui que ce soit. Mais c'est juste que voilà, c'était quelque chose de difficile à digérer et de reprendre le rythme après tout cela, ça a été compliqué. J'ai dû travailler 2 fois plus pour essayer de me faire une nouvelle clientèle pour remplir les trous du coup dans mon agenda. Parce que si on n'a pas de clientèle, eh ben, on ne peut pas non plus faire fonctionner une affaire si on doit payer des factures, des loyers, des assurances et tout le tralala. Enfin voilà, si vous êtes indépendante, vous comprenez peut-être un petit peu tout ça, mais n'importe qui pourrait comprendre. En tout cas, à ce niveau-là, j'aimerais vraiment beaucoup faire une vidéo pour vous parler de cette maladie, de ce qui m'est arrivé, parce que c'est une maladie qui est extrêmement commune. C'est vraiment un truc de fou quand on ne s'intéresse pas à quelque chose et que tout d'un coup ça nous arrive ou qu'on s'y intéresse, on a l'impression de voir ça partout, mais vraiment absolument partout. Je pense que vous voyez exactement la sensation de laquelle je parle. Donc voilà, je compte faire une vidéo pour vous parler de tout ça, parce que peut-être que ça vous concerne et qu'on pourra compatir ensemble. Et peut-être aussi que voilà, vous aimeriez en savoir plus. Donc voilà, si je peux vous amener ça, même si ça n'a absolument rien à voir dans le contexte de ma chaîne, des ongles, etc., et que je ne compte pas sortir du contexte et du monde des ongles sur ma chaîne, bah, je pense que là c'est vraiment nécessaire parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc voilà. Au bout d'un certain temps, disons 5-6 mois après être sortie de l'hôpital, j'ai un petit peu, comment dire, retrouvé du poil de la bête. Et je m'étais remotivée après l'été donc, et j'ai filmé des vidéos, j'ai filmé 2 vidéos, j'ai commencé à les monter. Et malheureusement, on a reçu une très mauvaise nouvelle cette fois-ci, toujours dans ma famille, mon papa. Une très mauvaise nouvelle qui a été extrêmement difficile à appréhender. Ça m'a vraiment beaucoup affectée et pour le coup, j'étais vraiment, comment dire, j'étais effondrée émotionnellement. C'est quelque chose de difficile quand on apprend que quelqu'un dans la famille a une maladie ou quelque chose qui va être difficile à combattre. Donc tout mon moral est retombé à zéro et tous mes moments de comment dire, où je travaillais pas, ben on est tout le temps en train de se morfondre, on est en train de déprimer, c'est difficile. C'est difficile pendant les premiers mois, j'ai eu énormément de difficultés à me remettre et me relever de toutes ces émotions. Donc voilà, de façon globale, on va dire, l'année 2019 ne m'a vraiment pas épargnée et en plus, ça a surtout été à des points assez importants comme la santé, la famille, c'est des points fondamentaux et si ça va pas, ben forcément, on en pâtit énormément. Et j'ai eu beaucoup de chance, maintenant, voilà, ça va mieux autant pour moi que pour mon papa, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup affectée aussi au niveau du travail. Donc je pense que tout le monde peut comprendre ça. Et puis, ben, quand ça a commencé à aller mieux, que les nouvelles étaient un petit peu plus réjouissantes, là pour le coup, il s'est passé quelque chose de bien, mais qui du coup m'a forcée à m'immobiliser et à pas pouvoir refilmer d'autres vidéos. J'ai décidé de partir du salon de coiffure et de réaliser mon rêve qui était celui, ben, d'ouvrir mon propre local, mon petit studio.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai terminé un mois là-bas. Et puis, dans tout ce mois, comme j'avais déjà le local qui était prêt à disposition pour moi, il a fallu que je jongle entre mes journées de travail et dès que je terminais, je filais au local qui était à l'autre bout de la ville pour pouvoir faire des travaux, prendre des mesures, vider ce qu'il y avait dedans, jeter le vieux, prendre des nouveaux meubles, aller chercher des nouveaux meubles, les commander sur internet, chercher quel tissu pourrait aller avec quoi, parce que du coup j'ai dû tout faire toute seule et je sais les idées que j'ai, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc ben, ça a été compliqué de trouver vraiment la peinture, de la couleur que je voulais, les meubles, de rangement, comment les mettre, comment agencer la salle, etc, etc. Donc là, je suis actuellement dans mon nouveau petit studio. Je suis très heureuse. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça. En tout cas, j'ai déjà mis des stories sur Instagram et ça vous avait passablement plu. Donc, merci en tout cas pour tous vos messages et tous les compliments que vous m'avez faits. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Parce que parfois, quand on travaille sur un projet pendant plusieurs mois et qu'au final, on l'a fini, on a tellement bavé de faire tous ces travaux qu'au bout d'un moment, quand on regarde le travail fini, on se dit « Ouais, voilà, en gros, c'est ça, quoi. » Enfin, ça m'a déjà lassé de voir tout ça. Donc, ça fait à peine un mois que j'y suis. Et maintenant, j'ai la totale liberté de filmer comme je veux. Je suis beaucoup plus souvent ici, maintenant, dans le sens où j'ai moins de jours de congé, je travaille beaucoup plus. Aussi parce que du coup, je m'occupe de tout ça, de filmer, d'écrire des vidéos. J'ai un cahier dans lequel j'ai écrit déjà plusieurs vidéos que je compte vous filmer, autant des tutos que des vidéos face caméra. Je prépare beaucoup de choses. Soyez prêtes pour accueillir tout ça, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà un petit peu pour tout ça, voilà les raisons de mon absence. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai vraiment eu énormément de plaisir à filmer des vidéos tuto et j'ai plein d'idées, j'ai fait plein de commandes, plein de nouveaux produits, j'ai plein de choses à vous présenter, j'ai plein de conseils à vous donner. Parce que mine de rien, tout ce temps que j'ai passé sans vous filmer des vidéos, bah ça cogite et je me dis « Ah, un jour faudrait que je fasse ça, un jour faudrait que je fasse ça ». Vous-même, vous m'envoyez des messages auxquels je réponds pas forcément parce que j'en reçois une centaine par jour sur Instagram. Alors on n'en parle pas des commentaires que j'ai sur YouTube. Donc voilà, j'ai plein d'idées et j'espère qu'elles vous plairont toutes. Je vois aussi qu'on est en train d'approcher des 100 000 abonnés. Et c'est juste un truc de fou en fait, parce qu'il y en a qui me suivent vraiment depuis le début et qui commentent encore mes vidéos, qui m'écrivent sur Instagram et je reconnais vos pseudos, je vous reconnais, je vous vois les filles. Et ça me fait tellement plaisir. Et maintenant que je peux continuer, reprendre l'aventure là où je l'avais laissée et continuer, bah ça me fait vraiment trop chaud au cœur. Donc merci encore d'être toujours là. Et pour mes 100 000 abonnés, je compte vous préparer une petite surprise. Soyez prêtes. Tenez-vous bien, ça va arriver bientôt. Donc voilà, merci beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous plaira. Et je vous dis à très très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.